Pour composer sa liste finale avant le Mondial au Qatar, Didier Deschamps, le plus célèbre technicien français, a dû faire face à une grande hécatombe. En fait, Paul Pogba et N'Golo Kanté ont dû abandonner très tôt l'idée de disputer le Mondial. Karim Benzema a déclaré forfait à la dernière minute avant le début de la compétition. Enfin, Lucas Hernandez a dû quitter le Qatar après le premier match des Bleus, se blessant gravement face à l'Australie. Alors que les Bleus de Didier Deschamps sont parvenus à se hisser jusqu'en finale de la Coupe du Monde malgré la pénurie, Karim Benzema a décidé de prendre sa retraite internationale au lendemain de la finale perdue contre l'Argentine. De son côté, Paul Pogba ne compterait pas du tout imiter son aîné. Selon les informations de l'équipe, Paul Pogba aurait d'ores et déjà tout prévu concernant son avenir en bleu. En effet, la pioche refuserait de fermer la porte à l'équipe de France pour le moment, et ce, même si elle n'est pas épargnée par les pépins physiques depuis son retour à la Juventus. À en croire le média français, Paul Pogba voudrait continuer son aventure en sélection jusqu'à l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne au minimum. Reste à savoir si le milieu de terrain de Didier Deschamps sera en pleine possession de ses moyens cette fois.